tribunal Aoui à vous présenter cette acte, tout en vous précisant que ce sont des pièces qui ont été trouvées entre vos mains en date du 30 décembre 2017, dont vous étiez en train de distribuer à la population de la commune de Guit. Et jusqu'aujourd'hui, vous semblez ignorer les faits pour lesquels vous êtes poursuivi, à vous entendre parler tout à l'heure. Oui. Vous pouvez parler. Messieurs les juges, d'abord, je réponds à cette question avec beaucoup de regrets. De voir que, après tous ces temps, je vois comment est-ce que la constitution de l'RDC, comment on est arrivé à avoir cette constitution. Le pays a été déchiré à mille morceaux, il y a eu des morts. Nos compatriotes sont morts et la classe politique à l'époque s'est mis d'accord pour avoir cette constitution. Et je vois que si aujourd'hui je suis devant la justice d'un pays que je respecte beaucoup et je crois au Congo, je crois à l'avenir et que de telles histoires se passent, donc vraiment je regrette beaucoup. Monsieur le juge, j'ai bien dit que le 23 décembre de l'année passée, j'ai été enlevé par les agents de la DMIA parce que j'avais en mes mains, j'avais une fiche, une attestation, une fiche des gens et une attestation d'un mouvement citoyen, Philimi, dont je suis membre, dont je suis déchargé de nos réseaux locaux. Maintenant, je me pose la question. Je ne sais pas où ça, je suis en train d'halluciner. Je ne maîtrise plus rien. Et que le 30, là, je n'étais plus dans ma cellule à la DMIA, en train de souffrir, de croupir injustement. Et que ces gens-là, paisiblement, ils ont eu la bonne volonté, je ne sais pas comment ils ont fait, pour ouvrir le porte, pour me laisser, moi, aller à l'IMETE et faire je ne sais pas quoi, et puis me prendre encore, m'escorter comme un président, je ne sais pas, un prisonnier, un président, et me ramener encore à la DMIA, m'enfermer dans cette souffrance. Monsieur le juge, je vous dis, avec une certaine, les 30, moi, Kabeya, Olamba, Wakabiwa Malmi pour mes amis, je suis moins à peine d'avoir un âge, de mon nom, les 30, j'étais à la DMIA dans une cellule en train de courir